Bienvenue dans cette série de vidéos tuto sur la MPC Live. Nous allons voir ici comment effectuer une programmation rythmique et son édition au sein de la MPC Live. Tout ceci grâce aux 16 pads rétroéclairés et l'éditeur complet avec grille temporelle pour la production et le séquençage de rythme. Pour accéder au son fourni dans la MPC, appuyez sur Menu, puis sur Browser, pour pouvoir écouter tous les sons classés par genre avant de les charger dans votre set. Pour commencer à créer votre rythme, allez tout simplement sur l'écran principal, sélectionnez une nouvelle piste et retrouvez le kit de batterie que vous souhaitez utiliser. Une fois fait, les pads RVB se mettent à jour immédiatement en fonction des types de sons qui sont assignés aux pads de la MPC Live. Faisons maintenant notre son au sein de la MPC Live. Je vais maintenant utiliser la fonction Note Repeat de la MPC Live pour poser ma partie de Charlet. Une fois que vous avez fait votre rythme, vous pouvez voir les infos MIDI directement sur l'éditeur avec la grille temporelle. Vous pouvez ainsi utiliser les outils d'édition pour sélectionner, insérer, déplacer, effacer les notes pour trouver votre son. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Don't Snap pour bouger les notes en dehors du pad quantification. Pour assigner des samples, appuyez sur l'icône d'assignation des pads, puis naviguez au sein de la bibliothèque de sons. Vous pouvez ici écouter tous vos samples et les charger directement sur les pads. Vous pouvez également éditer vos samples en appuyant sur l'icône d'édition des samples afin de pouvoir voir la forme d'onde de vos samples. En appuyant sur le bouton Process, vous pouvez choisir parmi la liste des traitements que vous souhaitez. Vous pouvez également modifier les points d'entrée et de sortie de vos samples en utilisant l'écran tactile. Laissez-moi vous faire écouter la petite boucle que j'ai faite.